Lucie a perdu son apparence lors d'un accident. Elle a traversé le monde géométrique pour redevenir une belle luciole 3D. Ses aventures l'ont menée jusqu'au maestro. Il est où le maestro dont tu m'as parlé? Derrière toi! Que va-t-il lui révéler? Bonjour, êtes-vous le maestro? Hola, Lucy! Hein? Usa tu pulsera. Ton bracelet fait la traduction, c'est moi qui l'ai fabriqué. Quand je t'ai modélisé, tu n'en avais pas. Alors je te l'ai rajouté. Il est truffé de gadgets et t'aidera dans toutes tes aventures. Mais c'est quoi modélisé? Ça veut dire que vous m'avez fabriqué aussi? Oui, et je t'ai donné ton volume à partir de ton image en 2D. Regarde. Ah oh. On te reproduit avec des figures 3D simples pour créer un modèle de Lucie, comme un mannequin. Par exemple, pour ta tête, on part d'une sphère. Salut, je suis Lucie. Bonjour, camarade Lucie. Je suis Sphera, la sphère. Tu es une dîme 3? Da, je suis un solide fabriqué à partir de discus. Ah oui, une surface et une hauteur. Cubic m'a expliqué. Niet, je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas un solide droit. La hauteur, c'est pour eux. Je suis un solide de révolution. Tu veux faire la révolution? Niet, pas du tout. Je ne suis pas un solide révolutionnaire, mais un solide de révolution. Pour me construire, on fait faire un tour à un demi-disque autour de son diamètre. Nous, les solides de révolution, nous tournons et tournons encore. Maestro. Je déforme la sphère pour lui donner la forme de ton visage. Tu peux changer la forme des dîmes 3? Oui, comme ils sont pleins, je peux les sculpter un peu comme de la pâte à modeler. Là, tu vois, je creuse tes yeux et ta bouche. Les personnages de jeux vidéo ou de films sont faits de la même manière, à partir de figures géométriques. Maintenant, je tire ton nez pour qu'il prenne du relief. Ah, elle me ressemble beaucoup maintenant. Mais c'est toi. Attends un peu. Je rajoute une bouche et des yeux.